Au nom des autorités de la ville de Genève, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 12e édition de Primart au sein d'une institution culturelle reconnue, le commun. Donc, ce qui me meut, c'est la culture et la cohésion sociale. Et ce en quoi je crois, c'est que les singularités sont la richesse. Et c'est ce qui m'a amené à accepter d'être curateur de l'exposition Primart à CAPAMIX, qui est une exposition transversale qui parle de la réappropriation de l'espace public, qui parle aussi des gens, de ceux qui font l'art, de ceux qui le vivent, et qui nous a permis vraiment de rassembler la rue, des institutions, des centres d'art, pour arriver à cette exposition riche, je crois, et je l'espère. Au-delà de son impact visuel, le graffiti a une odeur spécifique, ses supports, ses touchés particuliers, son environnement des sons singuliers, et le vandalisme un goût unique. Dans le milieu du graffiti, nous savons que la plupart de ces street artistes ont fait leurs armes dans la rue. Des individus, des habitants, des citoyens comme nous tous, qui avant d'être artistes ont répondu à une forme pulsionnelle d'expression et de déplacement clandestin. Une réappropriation de l'espace public par des citoyens, avec ou sans revendication. Comme ça se passait au Centre d'art contemporain, il fallait avoir un parti pris fort. L'idée, c'était pas de montrer tout ce qui était possible de faire, mais plutôt d'avoir un angle. Du coup, on s'est axé sur des peintres qui sont actifs. On est vraiment parti sur la pratique, l'expérience de ceux qui en sont. On comprend, on comprend pas, on le prend de la même manière qu'on le prend dans la rue. Pas d'explication. Donc on va commencer en voyant différents éléments, différentes pièces, différentes créations. Ça a été fait de manière vandale et illégale. Un peu d'urbanisme, de modernité, de street art. Un message parce qu'il a représenté les émeutes de Montréal. On va aller sur la deuxième étape du tour. Ça fait plus de 18 ans que le service de la jeunesse en fait, met en place un projet qui s'appelle Primart. Le but, c'est d'amener les jeunes artistes des quartiers de Genève pour qu'ils puissent exposer dans des lieux. Donc pour nous, c'est vraiment l'aboutissement d'un long projet. Donc c'est amener l'art de la rue dans un lieu un peu plus institutionnalisé. L'idée c'était d'approcher différemment les expositions qui ont lieu sur le graffiti, le street art, et vraiment de pouvoir parler de l'expérience de celui qui vit le graffiti, qu'il pratique, mais aussi de l'expérience de celui qui le voit dans la rue, qui évolue avec. On a pu réunir des artistes de partout dans le monde, des pointures dans leur domaine, des gens qui ont changé peut-être la manière dont les gens voient le graffiti. Comme on l'a dit, le graffiti en tant que revendication individuelle a aussi passablement évolué. En fait, c'est parce que n'importe quelle alternative, quel est le sens qu'on veut, a besoin de temps et d'espace pour se développer. Là, c'est plutôt d'aller dans l'espace public, d'essayer de se le réapproprier et de comprendre comment on peut faire société, mieux vivre ensemble. Puisque la créativité, ça doit changer, ça doit bouger, ça correspond au moment où on est, ça doit pouvoir revenir sur soi-même. Bien sûr, le summum, c'est quoi? C'est vraiment être libre, mais c'est des moments qui ne sont pas toujours faciles à atteindre. Tu vas être dans ton imaginaire, tu vas être dans ta transe, ou tu vas partir, tu ne sais pas où, mais il va y avoir comme une logique ou des mémoires qui vont ressortir qui fait que tu es comme porté par quelque chose, je dirais, qui ne t'appartient pas, mais qui te ramène dans une harmonie entre la musique, entre l'espace. Et c'est ces endroits-là ou ces moments-là que j'ai envie d'atteindre. C'était un vrai plaisir de travailler avec les artistes locaux et internationaux. L'interaction a été très positive et agréable. Et je pense que les visiteurs vont avoir pas mal de plaisir.